Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Aujourd'hui, le 13 mars 2021. Journée 13, on n'est pas vendredi 13, là, mais c'est tout comme une défaite un peu gênante des Bruins 4 à 0 contre Patrick Roy. Non, Kincaid. Oh, Kincaid. Quand j'ai vu ça au début du match, je me suis dit, Collins sont gentils, ils vont donner une chance au deuxième trio, au troisième trio, au quatrième trio de marquer des buts. Et un gros fail pendant 60 minutes. J'ai quelques chiffres. Je vais faire ça vite parce qu'aujourd'hui, je vais présenter pour commencer. Mon ami Gordy, mon fidèle Gordy qui est là cet après-midi. Salut Gordy. Oui, ça va bien là. Je viens de me réveiller. Ta note sur 10 de la performance des Bruins? Je vais être bon, on va dire 3. Ta note sur Yaroslav Halak? Oh, c'était à l'arc, on va dire un 7-8, ça aurait pas été de lui, ils auraient été haut. Si. Mathis, salut Mathis, notre recrue aujourd'hui qui est avec nous. Salut. Comme ça Salut, ça va? va? Oui, ça va bien, Mathis. Toi, ta note sur 10, la performance des Bruins aujourd'hui? La performance des Bruins, en général, ce soir, moi, je mets un 2. Et la performance de Yaroslav Halak? Non, là, qui a très bien gardé les buts, on ne peut pas y en vouloir pour les quatre buts qu'il a accordés. Je lui mets un 9. Merci. Richard qui est de plus en plus présent avec nous, il est tombé dans la soupe. Salut, Richard. Salut. Même question, ta note sur 10 de la performance, de la non-performance des Bruins. Y a-t-il en bas de zéro? Ah oui, tu peux donner la note que tu veux. Ah, écoute, on ne donnerait même pas un aujourd'hui. J'en veux une poule de voir ça, là. Il n'y avait rien, aucune pause, rien. Puis l'autre question à Lac, là, rien à dire, 9 là, sur 10, c'est super bien gaulé. Je t'avais demandé à Liverpool, je pense, si ça continue. Je pense qu'il va y avoir quelques-uns qui vont s'en venir avec moi. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait peut-être 2 semaines que je réclame un échange, qu'on échange, malaisie à Lac, surtout pas, qu'on échange Tukarask. Je vais expliquer le pourquoi tantôt. Denis, qui est le seul. Non, c'est vrai, il y a Marc aussi qui n'est pas partisan des Blues. Denis, salut Denis. Salut Pierre, ça va bien? Moi, ça va super bien. En passant, tes Flyers s'approchent de nos Blues. Oui, il a fait un gros match de 4 points contre Washington. Là, ils n'ont pas le choix de la gagner en soi. Une victoire de tes Flyers ce soir et ton équipe va être à un petit point des Bruins. Oui. Éric, mon ami Éric, ça va bien? Voilà. Il n'est même pas là, Éric. Voulez-vous comment ça m'a tellement endormi le match? Hey, j'ai oublié d'inviter Éric. Désolé, Éric, ça va être pour la prochaine fois. Bruno, mon fidèle ami Bruno, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, toi? Oh, ça va super bien, ta performance, ta note sur 10 de la performance des Blues? Zéro. Et ta note sur 10 de la performance de Halak? 9, ça n'a pas été de lui, ça peut être pire que ça encore, pas dans le pays. Exactement. Et notre dernier, notre cher ami Marc. Marc, comment vas-tu? Hey, ça va bien, boys? Ta note sur la performance, je veux 2, non, non. Mauvaise performance des Blues. Oh, regarde, écoute, mettons qu'avec Alak, là, on va mettre un 2-3, là, parce que le restant, là, c'est 0 open ball. Mais ta note de Alak? La note d'Alak, on va lui donner, mettons, un 8, là, parce que le premier but, je pense qu'un gardien de grande stature a plus de chances de l'arrêter. Puis après ça, le deuxième, troisième but, pas de sa faute. Quatrième but, ben, c'est une zézette, mais la game était finie. Ouais, je me suis amusé. Moi, c'est très, très rare que je suis fier d'une défaite des Bruins. Mais cet après-midi, là, j'espérais honnêtement une défaite de 1 à 0 ou de 2 à 0. Parce que je suis encore convaincu que j'ai fait ma petite pancarte. Halak, nous voulons un gardien des Bruins. Et de l'autre côté, Halak for President. Je suis rendu fervent fan de Halak. Dernière question sur Halak, un petit tour de table. Eh, Seigneur, ça va être tough aujourd'hui de ne pas se fâcher. Moi, là, quand j'entends dire là, que Halak ne peut pas faire la job de gardien numéro 1, il vient de nous coller 3 matchs consécutifs. Gordy, ta note de Halak sur les 3 matchs consécutifs de Yaroslav Halak. Ah, oh, Halak, je ne dis pas qu'il ne goûte pas bien, mais moi, je te dis que je suis content, on a un bon deuxième gardien. Mais moi, je reste dans mon idée, c'est un deuxième, moi. Je ne le veux pas premier, moi, quand même, tu me marquerais président des États-Unis et tout.
Moi, ça va tout le temps rester un deuxième. Moi, tu ne me feras jamais changer d'idée pour ça. Assez pas, il n'y a rien à faire. Je vais mourir avec race. Eh bien, j'ai le malheur de t'annoncer que tu vas mourir avec race. La dernière Coupe Stanley que tu as eue, elle était en 2011, Gordy. Tu ne verras plus jamais de Coupe Stanley de ta vie. Mac, on a vu trois matchs consécutifs de Yaroslav Halak. Ta note sur 10 de ces trois matchs-là, et persistes-tu toujours à croire que Yaroslav Halak est un gardien numéro 2? Halak, là, moi, j'ai toujours dit, c'est une période, là, il peut faire 10 games là, qu'il peut sauver la donne. Une saison complète, là, la carrière au complet, il l'a prouvé, il ne l'a jamais fait, puis il ne le fera jamais. Ce n'est pas à 36 ans qu'il va le faire. Puis, les Bruins, là, ils ont joué là, en sorte là, les trois derniers matchs. Là, c'est le premier match, là, regardez les chances A1, là, il y en a eu plusieurs aujourd'hui, mais les autres games, il n'y en avait pas. Puis les chances A1, là, ils ont rentré quand même aujourd'hui. Il en a arrêté une couple, là, mais il en a fait passer deux, puis il en a passé une zézette, la quatrième, puis il en a fait passer le premier but, là, c'est un lancer du poignet. C'est sûr qu'il avait à vue voilée, mais c'est ça un goaler de Saint-Pierre-Yonge. Hein? Lancer dévié, Marc. Lancer dévié. Ben oui, mais quand même, là, c'était pas un lancer puissant. Là. Fait que moi, Halak, je trouve qu'il est correct, là, mais tu gagneras jamais avec Halak. Il n'a jamais gagné, puis il ne gagnera pas. Fait que c'est, moi, je suis comme Gordy, je dément pas. Puis de toute façon, Rask, tu n'auras rien pour. C'est ça le problème. Tu peux pas pogner un match-up parfait. Les équipes qui sont contenders ne donneront pas un top 6, puis les équipes qui sont dans le cadre, ils n'en veulent pas de Rask, ils n'en ont rien à faire, ils n'ont pas besoin. C'est ça le problème. Je suis vraiment surpris que tu as dit que Rask est comme pas un des top gardiens dans la ligne. Moi, je considère que tout comme Rask. Non, je t'ai pas dit qu'il n'est pas top gardien. Je te dis juste que Rask, tu ne pourras pas avoir ce que. Tu ne trouveras pas un danseur avec. Tu ne peux pas danser le tango avec aucune personne, à moins d'une blessure d'un gardien majeur et qu'ils sont mal pris. Sinon, tu ne peux pas faire de match-up. Pour faire un échange, ça ne peut pas être deux. Puis malheureusement, là, dans la circonstance de tout le COVID, le kit, tu peux pas. Je trouve pas de match-up, sérieusement. C'est correct, je respecte ton opinion, Marc. Bien entendu, je ne la partage pas, là, mais c'est le bonheur des gérants d'estrade. Il ne faut pas toujours tout être sur la même longueur d'onde. Bruno, toi, tu es rendu sur mon côté. On a vu Halak trois matchs consécutifs. Là, ta note, et crois-tu que Halak peut faire la job de numéro 1? Oui, parce qu'on s'entend-tu aujourd'hui que c'est pas juste. Pas juste Halak qui n'était pas dedans. On s'entend que c'était toute l'équipe qui n'était pas dedans. Fait que, non, moi, je persiste à dire que Halak est capable de faire la game, capable de voler une saison. Puis, non. Ben, la note des trois games, je pourrais donner au moins 8 en masse. Oui, merci Bruno, Richard. On a vu Halak trois matchs consécutifs. Comment peux-tu résumer ces trois matchs-là? Halak a super bien gaulé les trois matchs qu'il a gaulé. Même aujourd'hui, là, oui, le premier but avait la vue voilée un peu aussi avec ça. Le dernier but, je ne l'ai pas vu. Je l'ai dit, j'étais à l'épicerie. Mais il a très bien gaulé, mais moi, je suis pas. De toute façon, je pense que la seule équipe présentement qui pourrait peut-être dire ouais, on serait intéressé d'avoir Rash, là, c'est l'équipe Denis qui prend les Flyers. Oui. Je pense que ce serait peut-être la seule équipe qui serait intéressée à avoir Rash. Ils vont nous donner qui? Cuddlesburg à la défense, on n'a pas besoin de lui, il n'est pas meilleur que les autres. Ils ne nous donneront pas Couturier, ils ne nous donneront pas Giroux. Nommez-moi les joueurs qui peuvent nous donner. Ouais. Tandis qu'avoir rien, je vais autant garder Rash. Il faut que si tu échanges Rash, je suis d'accord. Échange-le, là, je suis d'accord. Mais ça me prend pas un gars de. Ça me prend un premier joueur de deuxième trio là, que tu peux même envoyer sur le premier trio pour, mettons, des fois, mettons, pour remplacer Pasternak ou Benon, peu importe, là, un joueur qui est plus fatigué ou quelque chose. Là, mais qui a vraiment pas un 6, ça me prend un 4. Là. Si tu me trouves un 4, je vais peut-être bien te suivre. Sinon, si tu me donnes un gars de sixième, oublie ça, je garde Rush. Je vais avec. De toute façon, comme tu dis, on va peut-être le perdre pareil, mais tandis qu'elle part, bon, je n'irai pas chercher un Smith. Là. On a assez de corridors là, dans l'équipe. Là. Moi, j'ai vraiment un 4. Parce que je prends Bergeron, les trois, là, notre premier trio, c'est très, très dur à battre. Mais moi, je pense que ça prend un quatrième joueur là, qui va remplacer peut-être un ailier, bien entendu.
Mais vraiment un quatrième. Écoute, ton choix des Flyers est excellent, mais selon moi, si Rask est échangé, ça ne sera pas dans la, section, dans la même section des Bruins. Ça, tu as raison. Je le donne là-dessus. Là. Mais moi, l'équipe que je voyais, c'est sûr que tu as raison là-dessus. Puis il n'ira pas à Montréal non plus. Fait que où est-ce que tu veux qu'il va aller? Nashville. Je vais te dire à la fin, est-ce que je vais avoir fini mon tour de table ou que je verrai tout cas Rask. Denis, on parlait justement, on parlait des Flyers. T'es fan des Flyers. Tuukka Rask, tu le prends-tu dans ton club? Je ne le prends pas dans mon club. Non, mais pourquoi? Premièrement, il est vieillissant. Puis on a déjà Brian Elliott qui est vieillissant, qui a 36-37 ans. Tu as Carter Hart qui a juste 21 ans, que là, oui, il est dans une mauvaise passe, mais il va se replacer, il est jeune. Puis il va devenir un excellent gardien dans la Ligue. Puis je le dis, puis je le répète, il va devenir un des top goalers de la Ligue. Mais non, Rask, il est trop vieillissant, puis on a Brian Elliott, fait que non, j'en veux pas. Puis anyway, j'ai pas vraiment rien à donner à Boston pour Rask. C'est comme je disais à Richard, c'est sûr que si Tuukka Rask était changé, ça serait très surprenant dans la division et en plus à l'équipe qui est juste derrière les Blues. Ouais. Et pour revenir à Halak, pour moi aussi, c'est un numéro 2. Parce qu'à l'époque, un Canadien, il a changé à Saint-Louis, il devenait le numéro 1 à Saint-Louis, puis il n'a rien fait. Après ça, il s'est promené de plusieurs équipes. Fait qu'un goaler qui se promène de plusieurs équipes ne sera jamais le numéro 1. Là. C'est un numéro 2 comme bien des goalers dans la ligue. Parce que les numéros 1, c'est bien rare qu'ils vont se promener de plusieurs équipes. Ben vous êtes c'est le fun parce que vous ne changez pas d'idée. Il y a juste Bruno et Richard qui commencent à pencher sur mon côté. J'aurais demandé l'opinion de Mathis, je le connais déjà, mais je veux l'entendre le dire. Toi, es-tu en train de changer d'idée? Est-ce qu'on échange Rask? Ça prend du steak pour avoir du steak. On ne peut pas en donner du jambon pour avoir du steak. Non, moi, non. Je ne suis pas d'accord à échanger Tuukka Rask. Tuukka Rask, c'est notre gardien numéro 1. Je ne dis pas qu'Alain est un mauvais gardien, là, mais loin de là. Mais il n'est pas prêt à être... Il est pas prêt. Il ne sera jamais prêt à être numéro 1, Alain. On l'a vu quand il a eu la chance d'être numéro 1, qu'est-ce qu'il a fait à Boston l'an dernier dans les séries. Je ne dis pas que c'est de sa faute qu'on a perdu la série. Mais il y a eu de la misère contre le Lightning. Ça n'a pas été facile du tout. Une game s'est fait sortir parce que c'était rendu 7-1 contre le Lightning. Je me rappelle de ce game-là. Moi, je veux garder Tuukka Rask, notre gardien numéro 1. Si on veut gagner une Coupe Stanley, oui, c'est sûr qu'il manque un attaquant sur le deuxième trio. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut absolument trouver ce moyen-là. Mais ça ne sera pas en échangeant notre gardien numéro 1 qu'on va gagner la Coupe Stanley. Même si on va chercher un attaquant de premier trio, je pense que Halak ne peut pas goaler les 34 games qui restent en saison, plus les séries. Écoute, c'est un très bon commentaire, Mathis. Je demeure convaincu que la solution au problème des Blues, c'est d'échanger Tuukka Rask. Bruno, il y a une belle statistique. Mais allez voir Bruno, mais on ne passera pas tout le choix à parler des gardiens de but. Mais Bruno, il a été chercher une belle statistique tantôt. Je ne sais pas combien il reste de matchs dans la saison. 30, ça veut dire 31. Il reste 31 matchs de la saison. Oui, il y a souvent des back-à-back. On a 4 matchs la semaine prochaine. Écoutez, moi, là, je l'ai dit hier, puis je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Là. 31 matchs, Halak peut facilement engouler entre 20 et 25. S'il engoule 20, ça en reste, ça en donne 11 au prochain. Bruno, je vais te laisser la parole. Donne-nous donc quelques statistiques que tu as trouvées. Ouais, ben, vu que la partie n'était pas terrible, j'ai été voir dans Bruins de Providence, les gardiens. Présentement, les deux gardiens qui goalent présentement, c'est Swayman puis Vlador. Puis Swayman, ses statistiques, c'est 7 victoires, aucune défaite, moyenne de 1,57, pourcentage de 942. OK? Vlador, c'est 2 victoires, 2 défaites, moyenne de 2,01, pourcentage de 923. Providence, ils ont 19 points dans leur division. Hartford, ils en ont 6, puis l'autre équipe, ils en ont 4. Puis la fiche de l'équipe, c'est 9-2-1. Fait qu'on s'entend-tu quand que je dis, là, les boys, quand on parle de Rask, de toute façon, on sait qu'il va partir un moment donné, puis il est fini. Aimez-vous mieux, les boys, marcher de même un trio, puis là, ça fait comme après-midi? Ou bien, si vous aimez mieux laisser partir Rask, avoir quelque chose, 4-5-6, puis on prend un goaler de la Ligue américaine, puis on le monte. Swayman, là, 7-0, 1,57, 942.
Moi, j'ai été voir les statistiques moi aussi l'autre jour. Puis regarde l'année passée, si tu vas avoir le temps, là, va voir les statistiques de Swayman l'année passée avec les Bruins de Providence, de très bonnes statistiques. Je ne vous dis pas que ça va être le sauveur. Là. Mais moi, je suis coach ou directeur général des Bruins, je fais all-in. Pour revenir sur le match du jour. Pardon? Moi, j'ai une question à poser aux boys. Aimez-vous mieux avoir toute une game comme ça, puis on tombe qu'on en a plusieurs de même? Ou bien, vous aimez mieux ben, quand on aille chercher nos 4, 5, 6, puis on reste avec Rask? Tu sais, moi, il me semble que tu ne m'as pas juste convaincu, puis là, je regarde les statistiques de la Ligue américaine, puis je me dis que puis 4, 5, 6, moi, j'aimerais bien mieux avoir 4, 5, 6 que rester prêt avec Rask. C'est sûr, sûr, sûr. Moi, je demeure convaincu là, que tu donnes tout à Rask. Je me débrouille super bien avec Yaroslav Halak. Je monte le jeune. De toute façon, on ne va pas gagner la Coupe cette année avec l'équipe qu'on a. Tout souvent donner la chance à un jeune, se débarrasser de quelqu'un qui vaut encore du steak. Sinon, on va le perdre pour Seattle. Yes. Mais c'est votre résumé. On va pas revenir au match d'aujourd'hui. Sans Yaroslav Halak, ça aurait fini facilement 7-0. Un match, les Bruins ne se sont pas présentés. Écoutez, les gars, ceux qui nous écoutent, après deux périodes, les Bruins avaient 11 lancés au but. 11 lancés au but. Et après deux périodes, les Rangers avaient 14 chances de marquer. Les Bruins, je sais qu'on a écouté le match, à la description, on disait peut-être 3 ou 4 lancés par les Bruins, mais moi, j'en ai vu un seul. C'était une domination des Rangers. Les Blues ne se sont pas présentés. Ça continue comme ça. Les Flyers vont nous dépasser. Je vais y aller un par un. Comment que vous avez trouvé le match aujourd'hui, Gordy, dans l'ensemble? Là, comment vas-tu la semaine prochaine? Je te laisse aller. Ah, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une game comme tous les clubs. Ça nous arrive toutes. Regarde, il faut poster juste aujourd'hui. Cette semaine, ils jouent deux games à Pittsburgh, je crois, puis contre Buffalo deux games. Bien, jusqu'ici, je pense que les Bruins, ils ont pas mal le numéro des Pingouins. Puis contre les Sabres, en plus, les Sabres n'iront pas à Eichel pour une couple de semaines, je pense. Moi, je mets 3 victoires sur 4 contre ces deux clubs-là, en principe. Là. Ça devrait, là, Boston, ils ne joueront pas tout le temps de même. Là. Aujourd'hui, c'est une mauvaise. Mais, moi, je pense qu'ils sont laissés endormir avec une victoire facile l'autre soir, 4-0. Là, puis ils ont dit... Avec Kincaid début, là, ça devrait être facile. Ben, ça ne s'est pas produit, puis ça arrive. Quand un club pense c'est trop, que ça va être une marge dans le pack, mais ça arrive, ça. Mais toi, tu n'es pas confiant comme au 5 à 7, le piton panique là, qu'ils ont sur le mur. Là. Mettons que tu as un piton panique sur le mur. Là. Attends une seconde, Gordy. Le classement, en date d'aujourd'hui, il y a des matchs de ce soir. On ne sait pas ce qui va arriver, mais les Islanders jouent contre les Devils ce soir. On va dire que les Islanders vont gagner. Match important, Washington Flyers. Donc, le classement aujourd'hui est vite fait. On ne compte plus les Islanders. Là, ils vont avoir 40 points ce soir. Washington, 36 points, 26 matchs. Pittsburgh, 33, 26 matchs. Les Bruins demeurent à 32, 25 matchs. Les Flyers, 29, 24 matchs. Et je commence à regarder aussi pour les Rangers, là, 25 points, 26 matchs. Entre les Bruins et les Rangers, qui sont 7e, Gordy, il y a seulement 7 points de différence. Ça ne t'inquiète pas, pantoute. Mais moi, je mets dans la division 2, Marlander, Washington, 1 et 2, c'est sûr. Mais inverse, mêlé comme tu veux. Ça va être une bataille à 3 pour les 2-3, pour 3-4-5. Entre Pittsburgh, Boston et les Flyers. Ça va être une bataille à 3, d'après moi. Là. Ben, ouais. Washington, Islanders, c'est sûr, ça. C'est très surprenant la saison des Islanders. Je vais aller voir Marc aujourd'hui, ton résumé du match. Ben moi, là, je suis content de voir que ce n'est pas juste les partisans des Canadiens là, qui paient sa panique. Là. Dans une saison, là, les gars, là, on va tout avoir des slumps. Là. Puis là, ça arrive que les Bruins, les autres games d'avant, là, ça ne produisait pas même pas en attaque. Puis là, ben, ça vous rattrape, là, mais... Moi, je demeure confiant. Le Bergeron, il n'en jouera pas une pourrie de même à tous les games. C'est peut-être le pire match de sa saison qu'il a joué. Puis on voit que ça ne fournit pas. Moi, la Ligue nationale, là, c'est une ligue de parité. Puis c'est pas facile de faire des séries. Même si Bergeron disait toujours ça, là, on fait des séries, mais c'est quasiment vrai. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui aspirent à faire des séries. Puis là, sur les 5, comme Gordy dit, là, Washington puis Islanders, là, c'est parti. Il reste 3 spots. Puis juste en passant, les boys de Swayman, là, il a saisi le temps, là,
Il a jamais joué dans la Ligue américaine l'année passée. Il a commencé cette année. Il vient des collèges. Un gardien, là, si vous le montez cette année, là, vous allez le scraper. Ça prend 2-3 ans dans la Ligue américaine. C'est prouvé, un goaler, il faut que ça prenne son temps. Votre goaler, c'est Vlador. Puis, si Rack, là, en passant, si tu ne le signes pas là, cette année, là, au repêchage, tu ne peux pas le perdre. Il est free agent. Tu ne peux même pas le protéger. Tu as juste à le signer après. Là. Puis après ça, là, tu montes un jeune. Puis s'ils prennent à l'acte, tant pis, tu lui donnes une place pour un jeune. C'est Vlador, votre gars, l'année prochaine. Le Swayman, là, c'est 2 ans plus tard. Mais puis les statistiques, vous jouez contre 3 clubs. Là. Tu sais, là, les statistiques de la Ligue américaine cette année, il faut en prendre et en laisser. Là, c'est pas la ligue normale. Il y a bien des clubs qui ne jouent même pas. Fait que moi, les gars, je vous dis, respirez, prenez une bonne petite bière à soir, un bon petit souper avec un verre de vin, là, puis les 2 games comme Buffalo, là, ça va tout replacer les affaires, là, puis après ça, là, vous allez être revigorés. Ne lâchez pas votre club, ça va bien aller. Écoute, tu apportes des bons points concernant les gardiens à Providence, mais moi, j'en démarre pas. De toute façon, je le dis souvent, on ne gagnera pas la Coupe Stanley cette année, ça, c'est clair, net et précis. Donc, tant qu'à pas gagner la Coupe Stanley, je fais tout ce que je peux pour me débarrasser de tout cas. Puis je fais gauler batteur. Moi, je m'en fiche. Moi, j'y crois pas. Bruno, toi, ton résumé du match d'aujourd'hui, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais si tu as vraiment vidé ton sac, là, c'est le temps. Je ne sais pas si c'est à cause que les gars jouent en après-midi, je ne vais pas en soirée. Je ne sais pas si c'est à cause qu'ils n'ont pas suivi le plan de match ou que telle ligne comptait sur une autre ligne ou bien que les joueurs ne se parlaient pas entre eux autres, mais. Je ne sais pas, aucune idée. Ils passaient-tu au prochain match? C'est à cause que la victoire de l'autre team d'avant était trop facile, puis on poussait à la légère. Ça peut être bien des affaires. Oui, mais oui, c'est sûr qu'habituellement, les Blues sont performants lorsqu'ils jouent dans l'après-midi, mais la semaine prochaine, les deux prochains matchs, c'est contre les Pingouins qui sont à 1 point au-dessus de nous. Imagine si les Blues perdent ces 2 matchs-là. Comment ça, tu es un petit peu inquiet d'une place en série? Ben, ça c'est non, parce qu'il reste encore 31 matchs à jouer, non? Puis comme Gordy a dit, Pittsburgh, on a quand même du succès contre eux autres. Tu sais, là, la mauvaise passe, on est mieux de l'avoir tout de suite que de l'avoir vers la fin de la saison. Fait que non, pas tant que ça. Pittsburgh, là, parce que Boston, là, je pense qu'on joue leur pire match aujourd'hui. Fait que c'est mieux qu'elle joue aujourd'hui qu'elle joue vers la fin de la saison. Oui, ça, c'est évident. C'est mieux d'avoir mauvaise passe présentement. Denis, toi, tu n'as pas regardé le match, malheureusement, mais. Disons que tu vois comment la semaine prochaine des Blues, 2 matchs contre les Pingouins, 2 matchs contre les Sabres. Si tu es un fan des Blues, es-tu inquiet ou tu restes quand même optimiste? Moi, je reste optimiste. Contre les Pingouins, ça va être difficile parce que les Pingouins jouent du hockey dernièrement. Mais contre Buffalo, honnêtement, c'est 4 points faciles pour vous autres, honnêtement, parce que c'est le pire club de toute la ligue. Là. Mais d'après moi, vous auriez au moins. Contre Pingouins, je sais où vous allez chercher 3 points contre les Pingouins, c'est déjà bon. Oui, si j'ai. Pardon, Denis? 3 points sur 4 contre les Pingouins, là, ça serait très bon. Ben moi, si les Blues vont chercher 3 points sur 4 contre les Pingouins, je vais être très, 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 très content. Puis je vais rester avec toi, Denis. Après ça, je vais aller voir Richard. Moi, ce qui m'a déçu aujourd'hui, c'est vraiment le manque de chien des Blues. En début de match, le mieux. Qui se promenait dans le territoire des Blues, là, comme dans, un petit peu comme dans l'ancien temps, un peu. Là. Et puis, c'est comme, tu peux pas rien passer, un petit coup de hockey sur les pads, là, puis rien de plus. Après ça, le plaquage sur Frédéric, la porte était entrouverte. Pas grave. Il y avait, ça me fâche, ça travaille. Je suis pareil avec mon équipe. Écoute, je sais pas, ils ont laissé leur cœur dans le vestiaire, puis ils ont leur tente juste pas, puis non, ils... Non, je te comprends de la frustration, parce que moi aussi, présentement, j'ai une grosse frustration avec mes Flyers, là, qui ne gagnent pas pantoute, là, puis là, en soir, il faut qu'ils gagnent, ils n'ont pas le choix. Surtout qu'ils jouent à Philadelphie, là, ils n'ont pas le choix de gagner en soir. Je te souhaite la victoire, Denis, on va aller voir Richard. Richard, toi, la vue d'ensemble du match, le point que j'ai apporté, le manque de chien de nos Blues, Trent Frédéric en plus, c'est un petit peu le style que j'aime, là, je le compare un peu à Sean Thornton. Moi, j'aurais aimé ça qu'à sa prochaine présence, là, il part après le mieux, puis il drop les gants, puis il malaisait mauvais mot, qu'il sac une méchante volée. Qu'est-ce que t'en penses, Richard?
Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai vu le warm-up, là, puis j'ai vu le mieux faire ça. Frédéric a donné un petit coup de hockey sur les pads, puis tout de suite, partant, au début de la game, là, c'était là que ça serait, que ça ne s'est pas fait. Je pense que ça aurait donné un tempo au Bulls. Puis ça a continué. On dirait que ça a commencé là, puis à partir de là, comme si on était intimidé. Quand je regarde Warner, d'habitude, c'est un gars qui est intense, qui frappe. Il ne frappe plus. Curley, il patine. On ne sait pas ce qui s'en va sur la glace. Il me déçoit, lui-là. Lui. Aujourd'hui, toute l'équipe nous a déçus. Là. Mais ça veut dire que là, Curley va aller dans les estrades. Warner va aller dans les estrades. DeBrus va peut-être m'en venir si c'est un COVID négatif. Là, on ne sait pas. Qui va remplacer ces joueurs-là? Là? La question est là. Là. Puis c'est comme tu dis, on va échanger Rass. OK, on va l'échanger. On va... De toute façon, je pense, on ne leur signera pas 8 millions l'année prochaine. Je suis d'accord avec toi qu'on l'échange. Mais moi, tu l'as dit, tu veux du steak, mais moi, je ne sais pas quel steak on va aller chercher. On va aller chercher deux joueurs pour Rask. Je ne suis pas persuadé de ça. Fait que si on voit, si tu vas me chercher deux joueurs qui vont jouer sur la deuxième ligne, bingo, je le fais. Lac va le seconder du jeune Vladir au Badon. L'autre, c'est vrai que c'est sa première année, mais il fait des miracles dans la ligne américaine, mais la ligne américaine, cette année, c'est comme la East Coast League, si on peut dire un peu. Là. Mais tu sais, je veux dire, écoute, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons joueurs là-dedans, là, mais en tout cas, moi, si on l'échange, il faut aller chercher deux joueurs qui vont jouer sur la deuxième ligne ou un joueur, un ailier, plus un défenseur. Parce que là je regardais, je ne sais pas si vous avez écouté, pour changer de game un peu, vous avez écouté la game hier soir, là. Krug, il ne fait pas grand-chose. Saint-Louis, là, il ne m'impressionne pas pantoute. Là. Fini moins un tir au but. Il ne m'a pas impressionné. Fait qu'on, c'est sûr qu'on les met dans notre équipe là, pour l'attaque. Défensivement, on passera. Là, mais c'est tout un joueur de hockey là-dessus. Mais là, notre équipe, présentement, on fait quoi? Sweeney, je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui. Là, mais en tout cas, ça doit avec... Cam Neely doit faire les 200 pas, là, c'est sûr et certain. Il doit être en tabarnak à boire plus ça aujourd'hui. Là. De un, pour ne pas s'avoir présenté, pour avoir été voir ce que le mieux a fait, comme tu dis, c'est engageant. Un peu comme Denis disait pour les Flyers. Là, moi, les Flyers, cette année, je les voyais bien plus haut ce qu'ils sont là. Puis je ne comprends pas comment ceux qui ne sont pas en haut. Mais les Islanders, là, sérieusement, là, selon les abus qu'ils regardaient jouer, là, avez-vous vu cette équipe-là patiner? C'est épouvantable. Personne ne les frappe, ils les laissent patiner. Ça fonctionne. Mais là, c'est sûr que dans notre division, si on regarde ça, à part Washington, peut frapper. Qui peut frapper à part Washington dans notre division? Philadelphie, puis ils ne frappent pas bien, je pense. Les autres non plus cette année. Fait que, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Mais comme je te dis, je voudrais bien garder Rash, mais il faut faire un move, puis il faut que ça soit un bon move. Écoute, Richard, ton opinion est excellente. Tu as levé quelques points concernant les Flyers. Je vais donner la chance à Denis de te répondre. Denis, tu as entendu les questions de Richard. Est-ce que tu peux lui répondre? Ben, je suis d'accord que les Flyers, cette année, ils frappent pas depuis une couple de games. Ils sont plus tranquilles. Oui, on parle beaucoup d'un blockbuster avec Nashville. On parle de savoir à Columbus aussi qui pourrait peut-être s'en venir à Philadelphie. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi aussi, je les voyais vraiment au premier rang. Mais pour ça, on va prendre un réveil, on va prendre un échange, on va prendre quelque chose pour les réveiller. Parce que Claude Giroux, tu ne le vois pas. Voracek, tu ne le vois pas. Le seul que tu vois, c'est Sean Couturier qui est là à tous les games. Tu as Konechny qui score. Tu as Farabee qui est là, il est en COVID, mais il devrait revenir bientôt. Mais les gros leaders. Puis l'année prochaine, Giroux et Voracek, leur contrat, ils vont finir l'année prochaine. Fait que moi, d'après moi, Voracek ne reviendra pas. Le titre de 2 ans, Voracek n'est plus là. Puis Giroux, d'après moi, s'il continue à jouer de même, lui avec, il va faire bye-bye. Là. Parce que s'il ne veut pas, il avance en âge. Oui, c'est le capitaine. Mais tu as des jeunes qui passent en arrière. Là. À 8 millions, là, je ne pense pas qu'il va signer Giroux et Voracek à 8 millions par année. Fait que c'est soit qu'il se réveille ou qu'il fasse un échange au draft l'année prochaine puis qu'il en envoie un à Seattle ou un dans l'Ouest ou peu importe. Mais il faut pas qu'il se réveille parce que on a besoin d'eux autres pour gagner. C'est le cœur du club. Puis Carter Hart, oui, j'en parle beaucoup.
Mais il ne faut pas oublier que Carter Hart, il a goalé zéro game dans la ligne américaine. Là. Il est parti dans la boule, il jouait dans l'Ouest. C'est vrai, il a joué une game dans l'américaine, puis après ça, ils l'ont monté à Philadelphie. Parce que c'est l'année qu'ils ont eu les 8 blessés des gardiens de but. Puis depuis ce temps-là, il est resté à Philadelphie. Fait qu'il ne s'est pas développé en boule, lui, ils l'ont mis dans le feu, puis ouais, il développe tout de même. Fait que c'est sûr que le jeune, il a de la pression, puis tout, puis il est en train de s'effondrer, mais je ne suis pas inquiète qu'il va s'en reprendre. Mais il y a les leaders, il va falloir qu'ils se réveillent à un moment donné. Là. Mais avec ton équipe, il y a tout le temps la malédiction des gardiens de but. Espérons que Carter Hart n'ait pas attrapé la malédiction des gardiens de but. Mathis, je t'ai pas oublié, je suis rendu à toi. Toi, aujourd'hui, le match des Bruins, j'ai levé le point tantôt, le manque de chien des Bruins, le jeu de Brandon Lemieux qui n'a pas été vengé. Moi, ça m'a extrêmement déçu. Au-delà du pointage, ça m'a déçu. Moi, personnellement, dans ce game-là, je me suis fâché. Je me fâchais à regarder jouer. Je me disais, non, c'est pas les Bruins. J'ai rarement vu les Bruins jouer de même, pas d'énergie. Comme tu disais tantôt, 11 tirs après deux périodes. Puis c'est contre Keith Kincaid, là, qui gardait les... Tu sais, se faire blanchir par lui. Je dis, non, c'est parce que ça allait vraiment pas bien. On dirait qu'il n'y avait pas... Ils voulaient pas plus que ça. Ils ont eu 5 occasions en avantage numérique, 0 en 5. Ils ont eu leur occasion, puis ils n'ont pas été opportunistes de la game. Puis, comme tu dis, le manque de chiens qu'il n'y avait pas, ça m'a déçu parce que les Bruins, d'habitude, ils sont intenses. Comme des gars comme Frédéric qui veut tout le temps, il donne son 100%. Des gars comme Marchand aussi, tu vois, sont assez intenses d'habitude, mais on les a comme pas vus. Même le premier trio ce soir, ils n'ont pas eu de chance de marquer ou presque. Tout le monde, à part Alak, je dirais qu'ils n'étaient pas prêts pour le match. Imagine au début, là, avant le match, peut-être que Brad Marchand n'était pas supposé de jouer ce match. Imagine si Brad Marchand aurait pas été de l'alignement aujourd'hui. Il n'a pas fait une grande différence pendant le match, mais quand même, imagine les Bruins sans Marchand. Admettons que je l'apporte souvent le point, admettons que Marchand se blesse, Bergeron se blesse, ou Pasternak se blesse. Imagines-tu dans quel gâchis qu'on va se retrouver, Mathis? À long terme, si un de ces trois-là se blesse, on va être vraiment dans un gâchis, comme tu dis, parce que c'est tout ça part de ce trio-là, cette équipe. Tout part de ces trois-là. Puis là, je pense qu'on a beaucoup de blessés présentement. Là, Lauzon, Miller, on a Kasha à l'offense. On a plusieurs blessés quand même importants. Tout Karras qui est blessé, mais Alak fait bien la job en ce moment. C'est ça, c'est l'utilité d'avoir deux bons gardiens. C'est l'utilité d'en avoir deux bons. Mais... C'est pour ça que je pense qu'il va falloir un mouvement quand même, parce que là, si les blessés continuent à être à long terme, il va falloir trouver un autre moyen de produire à l'attaque. Ça, c'est sûr. Sûr, je vais faire un dernier tour de table, les gars. Je vais aller voir Gordy. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Quand on est plusieurs comme ça, c'est plus difficile. C'est rare que je fais ça, là, mais est-ce que tu avais une question à demander à quelqu'un qui est parmi nous cet après-midi? Oh, vite fait de même, là. J'étais plus au dépourvu, là. Hein? Ouais, tu m'as pris au dépourvu. Mais moi, pour revenir à Alak, moi, je suis comme Richard, qui a dit tantôt. Si tu échanges race, là, moi, je suis comme j'ai dit, tu n'auras pas grand-chose. Mais ça me prend au moins un quatrième joueur, pas en bas de ça. Je te mets au défi de m'en trouver un, toi. Donne-moi un 4. Je te donne l'émission, là. Essaye de trouver un 4 ou dans le prochain zoom. Moi, ouais. Je suis sûr qu'ils n'auront jamais ça pour un joueur. Demande au gars, à Bruno, à n'importe qui. Trouve-moi un 4. Écoute, je vais me mettre là-dessus en fin de semaine. On ne joue pas avant, je pense que c'est lundi. Je ne joue pas un 6, un 4. Moi, pour Rask, là, si j'ai un 5-6, je vais être content. N'importe qui va sur le deuxième trio, je vais le prendre, à part Craigie, là, qui produit de temps à autre. Là. Moi, ça me prend absolument un 5 ou un 6. Craigie, c'est mon top 4 à peu près, même s'il ne score pas beaucoup, là, mais il ne faut pas faire un piquant de jeu. Patine. Mais moi, j'avais un échange à faire avec Mac après-midi, là, avec Canadien. Je changerais Lauzon contre Josh Anderson. Mais Mac, veux-tu répondre à Gordy? Et refusé. Écoute, Marc, tandis que tu es là, tu es Canadien, j'ai pas de classement, mais c'est un peu comme les Bruins, vous êtes en même situation que les Bruins. La tempête est plus calme là, présentement à Carey Price. Trois bonnes performances consécutives, la tempête est calmée. Comment vois-tu
le reste de la semaine du CH? Ben écoute, là, c'est la dernière game, moi, je pense que c'était prévisible que le Canadien perde. Là, c'était un calendrier qui était drôlement fait. Le Canadien joue à 23 heures. Après ça, il y a encore un décalage horaire. Après ça, tu fais un décalage horaire d'encore une heure. Tu joues à 20 heures de. Puis là, c'est la première game de Sutter. À ce moment, moi, je pense que moi, Calgary, sérieusement, ils me déçoivent. Oui, ils ont de l'énergie, ils frappent. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Peut-être Sutter, il va peut-être leur donner un pied dans le cul, là, mais il y a l'air d'avoir bien des passagers là-dedans. En passant, Denis, Claude Giroux, il reste un an de contrat, puis Voracek, tu es pogné avec à 8 250 000 pendant encore trois autres années après cette année. Là, fait qu'ils ne sont pas joueurs autonomes. Mais moi, les Bruins, pour revenir à vos Bruins, les boys, là, moi, j'ai rarement vu, puis ce n'est pas depuis la de cette game-là. Moi, je trouve qu'ils sont faciles à jouer contre pour une chose, ils font bien défensivement. Mais ça ne frappe pas pantoute, là, puis ça fait pas mal. Il n'y a pas de grand sac de glace qui se passe après ça. Moi, je trouve ça de valeur que le Canadien, je ne suis pas contre Boston cette année, parce que le Canadien, pour une fois, là, c'est le fun, il frappe. Mais Bruins, il faudrait que, quand même qu'il y ait un petit peu plus d'énergie là-dedans. Là. Le premier trio, c'est bien beau, là, mais comme Richie, là, je ne sais pas si ça se passe dans la tête, là, parce qu'il score une coupe de goal en power play, là, mais il me semble qu'il ne touche pas une mouche. Moi, là, si j'avais voulu faire un gâteau, là, du temps, là, j'aurais mis une douzaine là, dans des poches des Bruins. J'aurais pas sauvé de temps aujourd'hui parce qu'il aurait fallu que je les recasse après. Il n'y avait pas personne qui aurait pété un œuf dans ces culs-là. Fait que, tu sais, Zboril, puis Zboril, aujourd'hui, c'était épouvantable. Fait que les Bruins, il faudrait qu'ils trouvent un peu l'énergie du désespoir, là, puis, tu sais, jouer un peu plus avec ta hargne. Puis votre Tenordi, là, ben aujourd'hui, là, ça vous répond un peu les affaires, là. C'est sporadique, j'espère. Là. Pensez pas à avoir ça dans votre top 6, parce que s'il est dans votre top 6 d'ici 2-3 semaines, là, mais vous ne les ferez pas les séries. Mais que, c'est un joueur très, 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 très limité. Là. Puis, ça prend vos blessures. De Lauzon, lui, doit être à veille de revenir. Je vous le souhaite, ça vous le prend. Puis même Miller. Mais que, non, les Bruins, j'ai rarement vu les Bruins, moi, pas frapper de même cette année. Là. C'est épouvantable. Écoute-moi, une chose que je peux te répondre, Marc. Ton Canadien de Montréal est quand même très chanceux de jouer dans la division la plus faible de la Ligue nationale. Mets ton Canadien dans la division des Bruins, donc 8 games ou 10 games, peu importe, là, en contre les Allen. Je suis pas d'accord avec non, toi. Non. On va partir la chicane. Là, écoute bien, Marc. Je t'aime beaucoup, là, mais aïe, aïe, Marc, t'as de la misère à battre Ottawa, t'as de la misère à battre, j'ai pas de classement, là, mais mets 8 games contre les Islanders, oublie ça. Mets 8 games contre Washington, oublie ça. Mets 8 games contre Pittsburgh, oublie ça. On les gagne tous, Pittsburgh, on les bat tout le temps. Ils ont battu des séries l'année passée. Fait que ça, oublie ça, t'es gagne. Puis moi, je suis dans la division canadienne. Là, lâchez-moi ça. Là. Avez-vous le talent qu'il y a là-dedans? Là, tous les top scoreurs, là, ça vient tout de la Ligue canadienne. Puis on n'a pas trois équipes là, qui sont en reconstruction comme Buffalo, New Jersey et Rangers. Là. De te planter 4-0 par un club qui est en reconstruction. Puis on a une équipe sur Ottawa. Vancouver, moi, je les voyais pas mal plus fort que ça. Fait que je pense qu'il y a quand même pas mal de talent. Puis n'oubliez pas, là, nous autres, là, on en fait des voyages, 3 heures de décalage, on là, pas de ça cette année. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, moi, que la Ligue canadienne, ça, c'est la plus faible. Il y a des faiblesses partout, puis je pense qu'il y a plus 6 clubs qui peuvent aspirer aux séries. Nous autres, on avait 5. Les 3 autres, on les oublie ça. Puis New Jersey, puis Buffalo, ben, c'est des points gratis. Puis Canadien, anyway, elle mettait bon contre des clubs en bas de classement. Elle est passée contre Détroit, ils ont perdu les 3 ou 4 games, je pense. Fait que, Canadiens et les autres, ils performent quand ils sont forts, quand c'est des équipes fortes. Écoute, je vais faire un tour de table là-dessus parce que moi, ton Canadien, dans la division des Blues, là, je les mets 7e parce que je mets Islanders supérieur, Washington supérieur, Pittsburgh, même s'ils gagnent de temps en temps, supérieur, Boston supérieur, Philadelphie supérieur, puis les Rangers pas loin. On va faire un tour de table là-dessus, on s'est fait attaquer, on va se défendre. On ne fera pas comme les Blues après-midi, tabarnan. On va se défendre après-midi. On va y aller avec le doyen de la gang, Gordy, défends-toi. Marc, il commence à insulter nos Blues. Vas-y donc, Gordy, voici le Canadien dans la division des Blues. Carey Price avait une moyenne de 6,50 et un pourcentage de rêve de 795. Vas-y, Gordy, prends ma place, moi, prends mon dentier, même si j'en ai pas. Vas-y, Gordy, défole-toi. Mais moi, les divisions, c'est pas mal égal. Elle n'est pas si faible que ça, la division des Canadiens. Bon, ben Gordy, c'est la dernière fois que tu fais une émission. Il met un Canadien dans la division S avec les Bruins. Moi, je pense, là, à ta statue, là, moi, je pense que Canadien est à la mort de Boston.
Bon, ben, on a des problèmes techniques. Gaudy est entré en marche le matin. Je vais appeler. Gaudy, on t'entend plus. Gaudy, on t'entend plus. Il va falloir que je te flush. Gaudy, je m'excuse. Puis en passant, Gaudy, arrête de prendre des marches. Quand il fait moins 1000, ton cerveau commence à être atteint. Boston, ils n'ont rien qu'une ligne. Regarde, on se le dit tout. À part la première ligne, il se passe rien. Gaudy, je ne veux pas t'interrompre, mais il y a qui chez le Canadien, Boston? Ils n'ont pas une ligne. Non, mais ils sont plus équilibrés. Ils sont équilibrés de où? Ah, barnouche. Puis Boston, puis Canadien, c'est plate. J'ai haï Canadien à cause de ça, puis il joue bien contre Boston. C'est pour ça que je te dis ça. Découragé. Gaudy, t'es benché le prochain match. Je t'appelle pas pour le prochain jour, mais je dis, regarde. Ah ouais, tu vois, moi, je suis tactique quad. Regarde, t'es LT scratch. LT scratch for the next Zoom. Écoute, je vais essayer avec quelqu'un d'autre. Je vais aller avec la recrue. Écoute, Mathis, écoute, Marc, il vient d'en sortir une maudite bonne. Les Canadiens seraient parmi les meilleures équipes dans notre division. Mathis, l'autre, drop les gars, fait quelque chose. Moi, ça me fait rire de dire ça. Le Canadien. Canadien, il serait moi aussi septième selon toi. Il aurait juste Buffalo en bas du Canadien. Canadien dans notre division, là, il n'en ferait pas long. Là. Oui, dans la division canadienne, ils ont la belle vie. Ils affrontent toutes des équipes que, oui, ils ont peut-être les meilleurs marqueurs de la ligue, mais Edmonton, t'as McDavid, Draisaitl, nomme-moi d'autres joueurs qui produisent Edmonton. Personne. Edmonton, c'est deux joueurs. Sans ces deux joueurs-là, il n'y a pas d'équipe. Tu vas voir Vancouver. Vancouver, ils n'ont pas de défensive. On l'a vu cette année, c'est l'équipe qui accorde le plus de défensives dans la Ligue nationale, c'est Vancouver. Tu vas voir après ça les Ottawa. Tu l'as dit, c'est en reconstruction. Le Canadien, ils sont chanceux d'être dans la division canadienne, honnêtement. Parce que s'ils seraient dans une division comme Boston, ils seraient même pas. On parle, comme tu as dit, Price aurait une moyenne supérieure à ce qu'il y a là. Hey, à fond. Dans la division de l'Est, là, toutes les équipes auraient pu faire les séries. Buffalo, peut-être pas parce que. Pourtant, ils ont une équipe bourrée de talent, là, on ne se le cachera pas, mais ça ne marche pas. Il y a quelque chose à l'interne qui ne produit pas dans cette équipe-là. Mais les Rangers, l'année passée, qui ont fini une bonne saison, même cette année encore, c'est une équipe dangereuse, ils sont capables de surprendre des bonnes équipes, on l'a vu. Les Islanders sont incroyables. Les Capitals, c'est une équipe bâtie pour la Coupe Stanley cette année, je pense. Les Flyers, c'est une équipe qui est capable encore d'aller loin en série. C'est toutes des équipes qui ont des chances de faire série. Pingouins, même chose. Moi, je pense que le Canadien ne ferait vraiment pas long feu dans la division que les Bruins sont en ce moment. Félicitations, Mathis. Tu peux reprendre tes gants. Tu as droppé les gants comme une recrue, comme Trent Frédéric aurait dû le faire cet après-midi. Félicitations. Je vais aller avec Denis. Là. Écoute, Marc, il vient d'en sortir une méchante popée. Carey Price, une moyenne de 4 dans la division canadienne. Imagine Carey Price dans notre division. Il y aurait une moyenne de 8. Oh, il y aurait de la misère. Les Islanders, c'est vrai qu'ils se sont améliorés. Ils ont une équipe pour aller loin des séries. Washington, la même chose. Mes Flyers, même s'ils sont une pente défendante d'un série, je ne me souviens pas de l'année que les Canadiens ont battu les Flyers dans les playoffs. Là. Mais moi, je me souviens que les Flyers ont tout le temps battu les Canadiens d'un série, même l'été passé. Tout le monde me dit, Denis, tu n'as aucune chance contre les Canadiens. Puis, c'est drôle, ils ont battu assez facilement, dont deux shootouts faciles. Mais non, c'est vrai que les Canadiens, dans notre division, les Canadiens, ils vont être avec le New Jersey, puis les Rangers, puis ils vont être en bas de nous autres. Exactement. Le Canadien ne fait pas les séries, ça fait je sais pas combien d'années. Ils ont fait l'année passée grâce à la COVID, puis aller dans la division des Bruins, ça va être une autre saison décevante. Ouais. Je vais aller voir Bruno. Bruno jette les gants, puis... Carey Price, Canadien, dans notre division, voyons donc. Non, c'est... Ottawa, ça marche pas. Vancouver, ils font tout pour aller chercher un goaler. Puis le goaler, il ne marche pas. Brendan Holtby, ils vont chercher pour améliorer l'équipe. Il ne marche pas, le bonhomme. Voyons donc. Islanders, c'est top shape. Washington, non, oublie ça. Puis la preuve canadienne, ça prend 3 équipes pour les séries. Nous autres, ça nous en prend 5 pour faire les séries. Encore une preuve. Non. Écoute, Bruno, tu peux remettre tes gants. Il reste Richard. J'ai gardé Richard pour la fin. Richard, toi, Canadien dans la division des Bruins, 7e rang facile. Oui, c'est sûr et certain. Le seul avantage que je trouve que Canadien a deux joueurs que j'aurais aimé. Ils sont allés chez Toffoli et Anderson. Le reste, là, oublie ça. Mais j'aurais. Moi, Toffoli, l'année passée, je voulais aller le chercher. Je l'aurais aimé à Boston.
Toffoli, il joue sa tête. Ça se t'avait d'arrêter son temps. Oui, mais en tout cas, il ne ferait pas pire que Smith fait là, c'est sûr. Ah, tu sais, je parle pour que, mettons, on arrêtait de chercher au début de l'année au lieu de Smith. Là. Peut-être qu'il aurait fait. On ne sait pas, là, mais en tout cas, non, c'est sûr que Canadien dans notre division. Et j'aurais aimé ça voir ça contre Washington, comment il aurait eu de joueurs à la fin de la game. Moi, il y a un joueur que je prendrais sur le Canadien, un seul. Puis quand c'est ton meilleur marqueur et c'est un défenseur, ça prouve une chose. C'est Perry. Pardon? C'est Perry, c'est sûr. Okay. Aussi, je l'emmène à Boston. Ouais, quand Perry, je le prends à Boston. Je parlais, mais c'est quoi le défenseur, le premier contre? Ramonov? Non, premier marqueur. Petrie. Bon, c'est ça, j'ai dit Perry, mais c'est Petrie. Ramonov, ça va être un autre flop sur le Canadien. Oui, il y a potentiel, mais monter bien trop vite dans la Ligue nationale. Ça, c'en est un qui aurait dû jouer dans la Ligue américaine au moins un ou deux ans, M. Drouin. Hein? Écoute, Marc, je vais retourner avec toi. On t'a un petit peu magané aujourd'hui. Là. C'était. La crédibilité de gérant d'Estrade ne m'a rien coup en tabarnouche là, quand on place le Canadien après The Vault du New Jersey. Boys, come on! S'il vous plaît. Puis Romanov, en passant, il a joué dans le KHL, qui est probablement la meilleure ligue. Ça fait 3 ans qu'il joue là. Fait que depuis 18 ans qu'il joue dans le KHL, fait qu'il a joué avec des hommes. Mac, excuse, la KHL, c'est les rames aussi de restant de la Ligue nationale. Non. Regarde Kaprizov, là, il vient de là. T'as-tu joué Kaprizov, là, 3 goals encore hier? Là. Fait que tes boys, là, en tout cas, moi, je respecte votre opinion, je la partage certainement pas. Puis quand Mathis, il dit que les Oilers, ils ont un club de juste 2 joueurs, les Blues ont un club de combien de joueurs? Un 3 joueurs. Okay. Écoute, les Canadiens ont un club de combien de joueurs? Un qui joue sa tête. C'est trois trios, il n'y a pas de premier trio. C'est 3 trios qui en marchent, puis la défensive, nous autres, on brosse le carcan, j'ai aucun problème avec ça. On a le gars avec le plus haut pourcentage de plus et moins de la Ligue, Joel Edmondson avec Petrie, c'est une maudite bonne paire à défense. Comment après pas? Ça, mais chez Weber, mais regarde, il ralentit, mais il est encore mais là. Il ne ralentit pas, il est arrêté. Il est arrêté. Mais... Il est comme Chara l'année passée. Il a comme là, ça passe, Chara, là, ça passe vite. Ça passe vite, c'est un moyen temps. Chara, là, si vous ne l'aviez pas échangé, je serais peut-être moins dans la merde. Aujourd'hui, il joue 21 minutes à Washington, puis Washington, il y a une bien meilleure défensive, puis les Bruins de Boston. Là. Fait que regardez-vous le nombré, boys, là, puis ben valeur, parce qu'on vous brasserait le carcan, vous ne touchez pas une mouche cette année. Écoute, mais... Marc. Marc, tu dis que. Tu dis qu'Edmonton a un club à 2 joueurs, Boston 3 joueurs. Je ne sais pas, mais on a le meilleur duo de gardien de la ligue. On a un McAvoy qui est un des défenseurs qui est en train de monter dans la Ligue nationale. Ça fait déjà, on est rendu à 6 joueurs. Ça fait déjà 4 de plus qu'Edmonton. Ouais, bien, pour le meilleur duo, là, Fleury-Lehner, c'est pas si pire que ça. Là. Ah, Fleury-Lehner, oui, c'est très bon, mais va voir les stats de Lehner cette année. Oui, mais anyway. Moi, je suis convaincu que Fleury, Lehner, Vegas, il n'y a pas grand monde qui va toucher à ça. Là. Les Bruins, quand vous les avez placés dans votre zoom, je n'ai pas pu participer. Là. Les 5 meilleurs clubs à gagner pour aspirant à gagner la Coupe cette année, là. Lâchez vos bobettes jaunes et noires là, parce que ça ne marche pas vos affaires. Là. Écoute, Marc, si ton équipe est si bonne que ça, comment se fait qu'ils sont quasiment hors série? Bataille de peine et de misère, là. C'est Winnipeg. Je n'ai pas de classement avec moi. Là. S'ils sont si bons que ça, ton Canadien, comment se fait qu'ils sont justement hors série. Moi, sérieusement, le Canadien, regarde avec Boston, là, on a 4 points d'avance à la 5e. Les Bruins ont 1 point d'avance à la 5e. Fait que moi, sérieusement, le Canadien, moi, je ne dis pas qu'ils sont plus forts que Boston, c'est une grosse équipe, là, mais moi, je pense qu'on est en meilleure position là, aujourd'hui. Là, on est en meilleure position de faire des séries que les Bruins. Regarde le classement, puis si vous pensez que les Rangers là, sont plus forts que les Canadiens, là, désolé, là, les boys, là, vous ne connaissez pas votre hockey, puis ça serait de planter 4-0 contre Keith Kincaid. OK, Gordy, est-ce que tu veux répondre à Marc? Ça ne sera pas fait, on va faire le dernier tour de table. Gordy, tu as quoi répondre à Marc là, qui dit que... Non, on s'entend que, sérieusement, on parle parler sérieusement, là, on s'entend que Rangers puis New Jersey, là, on s'entend-tu que ça fait dur, là? Dans la section de Boston, t'as comme connaisseur Islanders, Washington, Pittsburgh. Le reste, moi aussi, je pensais que l'Elfie serait plus haute cette année et cette valeur. Mais on s'entend, Marc a raison. New Jersey, Rangers, là, non, c'est pas fort. La division des Bruins n'est pas si forte que ça. On va dire comme Bruno. Ah, ben là, c'est vrai. Rangers, Gainville, Buffalo, là, c'est pas si fort que ça. Flyers, ils n'ont pas de goaler. Ça aussi. Non, mais. Boston, la division des Canadiens, ils seraient à peu près où à la place canadienne sont, je pense.
Boston, c'est vraiment, ligue. C'est valable parce que si Montréal et Boston joueraient un contre l'autre, là, OK, mettons, ils jouent 10 games au lieu de 8, mettons 10. C'est sûr que ça finirait serré, ça finirait 5-4, ça finirait serré pour un bord ou pour de l'autre, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, oui. Moi, je suis sûr de ça aussi. Ah ouais, ben oui. Ouais, ouais, ouais. Canadien, c'est notre bête. Ça tout de suite notre bête. On parle hockey. J'aime bien les Bruins, là, ben moi, je ne mets pas mes lunettes roses, là. Gardi, je me suis pris une petite note pour ne pas l'oublier. Tantôt, je t'avais benché pour un match, mais maintenant, tu es suspendu pour 5 matchs. Hey, j'avais pas de bandage à mes mains, je ne pouvais pas mettre mes gants de boxe. Il va falloir qu'on ait une discussion, moi et toi. Là, je comprends pas ton raisonnement, là, mais pas du tout, pas du tout. Ah, écoutez, les gars, ça a été un bon show. Marc, je veux juste terminer avec toi, Marc. Écoute, une chose que je suis content du Canadien, c'est que finalement, Duchamp, votre nouveau coach, a décidé de ne pas d'enlever Dano du premier trio. Je pense que l'autre jour, c'était Keke qui était sur le premier trio, si je ne me trompe pas. Ouais, ben là, regarde, moi, de toute façon, mettez fan du Canadien, ben, je n'ai pas de choix, là, mais je ne suis pas le plus gros fan du Canadien au monde. Là. Moi, là, c'est parce que j'ai défend un peu, parce que là, on est attaqué, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais Duchamp, tu sais, Pat Burns l'a dit, là, un coach, là, c'est 4 ans après ça, c'est dehors. Puis, c'est une nouvelle parole. Puis Duchamp, ben, anyway, moi, je suis pour les Québécois. C'est pour ça que j'aime bien Bruins, parce qu'il y a Lauzon, il y a Bergeron, puis il y a peu importe. Moi, je souhaite du succès aux Québécois partout dans la Ligue. Pour ça que je suis moins attaché aux Canadiens, parce qu'il n'y en a presque plus, puis ils ont fait des maudites décisions qui me font vraiment suer. Là, puis comme je vous ai déjà dit dans d'autres zooms, hein, si les Canadiens et les Nordiques n'étaient pas là, il n'y aurait aucun entraîneur-chef québécois dans la Ligue nationale. C'est eux autres qui nous donnent la première chance. C'est les autres qui n'en donnent pas. Qu'est-ce que tu veux? Puis c'est normal. Là, regarde, ils prennent les Anglais. Nous autres, on est la seule équipe là, qui a une base francophone, puis là, il y a Tampa Bay. Fait que Duchamp, mais regarde... Il a de l'air à avoir un peu plus il a l'air à donner un peu plus de lousse aux jeunes comme Keke. On dirait qu'il y a une tonne de briques de moins ses épaules, mais Canadiens, là, ils ne sont pas encore aspirants. Deux jeunes centres, ça s'en vient. Là, je suis content parce que là, les joueurs de centre, on en a cherché pendant bien longtemps. On n'est pas rendu, je ne dis pas, à être contender top 5, mais je pense qu'on commence à frôler le premier tiers de la Ligue nationale. Là, puis, je pense que l'avenir, elle s'en vient bien pour moi. J'ai peut-être pas bien compris. Là. Le premier tiers de la Ligue nationale. Tiers, c'est trois. C'est trop. Ça, c'est tiers, c'est trois. C'est 10. Premier tiers de la Ligue nationale, c'est 10, 30 par 10. C'est 10. Okay, c'est Gondy qui m'a tout mélangé dans mon cerveau là, avec ses affirmations. Là. Je ne dis pas top 3, je dis on frôle le top 10. OK, non. On commence à frôler. Avant, là, on était dans moi, Carey Price, moi, je me dis, à cause de lui, il faut essayer d'un, puis on frôlait le deuxième tiers, le troisième tiers, sinon on était dans le fond du troisième tiers. Bergevin, le travail qu'il a fait cette année, l'émergence des jeunes, on commence à s'en venir tranquillement, pas vite, dans le premier tiers, on frôle le premier tiers. Le premier tiers, là, c'est 10 équipes. Fait que moi, là, je ne vois pas ça en rose comme vous autres, comme vos Bruins. Moi, je suis en même terre à terre. Puis ça s'en vient bien, puis je suis content des gens de Montréal, parce que sinon ils capotent puis ils viennent fous, esprit. Fait que avec le COVID, il y a assez du COVID, il faut que le Canadien gagne un peu, sinon le monde, ils vont se suicider. Écoute, Marc, on a eu du fun l'après-midi, là, même si on était plusieurs, là, ça a super bien été. Hey, Pierre, j'ai appelé l'ambulance, ça s'en vient, là. Pour toi? J'ai appelé l'ambulance, ça s'en vient. Écoute, Marc, on va se quitter là-dessus. Là. C'était. Un bon Zoom, Luisson, aujourd'hui, on était à plusieurs, c'est la première fois que je voulais avoir plusieurs avec nous, ça a vraiment super bien été, nos Zooms s'améliorent de Zoom en Zoom. Marc, je te remercie bien gros. Hey, merci les boys, c'était un plaisir, moi, j'ai jamais pensé cohabiter avec des partisans des Bruins, ça va être fun de même, puis j'ai bien du fun avec vous autres, puis là, je suis en train de suivre les Bruins plus que jamais, parce que à cause de vous autres, là. Fait que là, je suis deux clubs, pas mal, je suis pas mal de plein national, mais plus les Bruins, là, ça m'intéresse, puis je leur souhaite pas de malheur, perdez pas confiance les boys, là. C'était un petit slump, mais ça va remonter. Là, je me suis pris une note, là, que je vais aller vérifier tantôt le classement, puis tu dis que les Canadiens s'en viennent dans le premier tiers. J'avais mal compris tantôt mon calcul, ça veut dire parmi les 10 premières équipes. Je vais aller voir ça tantôt, donc, on va revenir hier, là-dessus. Oui, je, lis le classement présentement, les Canadiens 16e dans la Ligue nationale. Non, moi, je ne parle pas du classement, je te parle de clip global. Là, les Canadiens s'en viennent, je ne dis pas qu'ils sont là.
ils vont pouvoir être, là, on va regarder à la fin de l'année, là, ils s'en viennent dans le premier tiers, je ne parle peut-être pas de cette année, ils s'en viennent. Je n'ai pas dit qu'ils sont là, là. Et les Canadiens, ils s'en viennent avec les jeunes. D'après moi, ils vont être dans le premier tiers. Dans les deux, trois prochaines années, les Canadiens vont pouvoir aspirer dans le premier tiers de la Ligue nationale, selon moi. Okay. Pas de décourager, Pierre, mais Boston, son jeu juste son 15e. Écoute, je pense que ça va faire, ça va être notre prochain Zoom, ça. Est-ce que le Canadien ou les Blues... Ouais, je vais me prendre une note, là, ça va être notre prochain Zoom. Parmi les Canadiens et les Blues, lequel va être dans le premier tiers le plus rapidement entre les deux? Marc, on a fait notre petit bye-bye. Gordy, je t'aime bien quand même, Gordy. T'as mis de la couleur aujourd'hui. T'es quand même suspendu de le droit d'amener la décision au comité de discipline pour contester. Mais jusqu'à voilà maintenant, dans la Ligue américaine, là. Voilà en appel. Gordy, je te remercie d'avoir été présent. Puis demain, bien. Prends pas de marche, s'il te plaît. Demain, il annonce encore moins 1000 demain. Bruno, ça a été super le fun. Ça a passé vraiment vite, presque une heure encore. Bruno, très bonne émission. Tu étais chercher des bons chiffres. Félicitations. C'est pas avec moi qui fais l'émission. Les autres aussi font l'émission. Puis la gang qui fait l'émission aussi, mon âme. C'est toute la gang qui fait l'émission. Puis c'est ça, puis c'est toi. Puis comme que je dis souvent, là, écoute, la plupart d'entre nous, là, on fait des zooms que depuis 3 mois. Et, écoute, j'en regarde des zooms là, sur YouTube. Allez voir des zooms sur YouTube faits par des professionnels. Là. Les autres, ça fait 30 ans qu'ils font ça, 20 ans ou 10 ans ou 5 ans. Nous, après 3 mois, là, on est dans le premier tiers. je regardais encore en onde, là, Pierre, là, puis l'entrevue d'hier, là, 58 visionnements. Chapeau, mon homme. 58 visionnements. C'est super. Ça, pour revenir à ce que tu dis, Marc, là, je le dis souvent et je vais le redire aujourd'hui. Là, quand j'ai appris mes cours pour devenir YouTuber, la chose que j'ai jamais oubliée, que je n'oublierai jamais, mon professeur m'avait dit lors des 2 ou 3 premiers mois, si tu as 10 personnes qui vont t'écouter que tu ne connais pas, un exemple, pas ton père, pas ton frère, pas ton ami, 10 personnes que tu ne connais pas, ça va être bon. Regarde, tu as porté l'exemple, là, 58 en même pas 24 heures. Puis là-dessus, il y en a combien? On est les gérants d'estrade là, sont à la vitesse de 2 ans plus vite que n'importe quel autre show comme qu'on fait. Oui, c'est vrai, Max. Puis c'est tout grâce à vous autres. Je vous invite à le partager tantôt parce qu'on mérite à être connu. Le mot « no name », là, je ne veux plus le dire. Je veux que le monde nous connaisse parce qu'on mérite d'être connu. Tantôt, là, je vais mettre les vidéos sur ma page Facebook. Pardon? OK, je pensais qu'avec quelqu'un qui avait parlé. Bruno, tu as apporté des bons points. Mathis est avec moi. Mathis, merci d'avoir été présent. Mathis qui fait un excellent job aussi, là, une carrière prometteur dans la communication. Continue, lâche pas ta job, Mathis. Merci beaucoup. Puis j'ai un message pour toi, Pierre. Il faut garder ce gars-là. Elle est bonne, Mathis. C'est une bonne fin, Mathis. Je te félicite. Sauf que tu viens d'être suspendu 5 matchs, toi, avec. Là, je ne veux pas m'oublier, Denis. Denis, merci d'être là. C'est le fun quand tu es là parce que tu apportes des statistiques, des notes, des flyers, ce qu'on aime bien aussi. Là, actuellement, partisan des Blues est un peu partisan des Flyers. Ça s'ensemble beaucoup comme équipe. Denis, toujours le plaisir de, quand tu es là. Et merci à toi, Pierre. Puis, premièrement, j'aimerais juste dire à Gordy, là, tu viens de me blesser dans mon cœur en disant que j'ai pas de goaler, hein? Tu viens de me blesser dans mon cœur, là. mais t'es le tombeau des goalers, je te dis. Hey, Gordy, juste pour te dire, là, en 2010, là, je me souviens, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est les Flyers qui perdaient la série 3-0 puis qui avaient gagné la série 4-3 avec un but de Simon Gagné dans la troisième période de la 7e game. Je ne me rappelle pas d'hier, je ne me rappelle pas en 2010. Je m'en rappelle, oui. Parce que le goaler, c'était Rask qui goalait, puis son backup, c'était Tim Thomas. Je ne me rappelle pas. Alors moi, je m'en rappelle comme ça serait hier.
J'ai dansé ma vie. Ah, nous autres, on l'a pleuré. Écoute, Denis, encore une bonne anecdote. C'est vrai, toujours le fun quand tu es là. Tu es toujours le bienvenu. Je pense qu'il y aurait juste Richard que je n'ai pas salué. Richard qui est avec nous, ça fait peut-être une semaine, mais c'est tout le temps comme les autres. Je ne veux pas juste privilégier une personne, là, mais la gang des gérants d'estrade, c'est ça, maudite King Koch. Oui, c'est bien le fun. Comme je t'avais écrit ce matin, c'est le fun, on s'amuse. Tout le monde est gentil. Mathis est jeune. Pas quand je crée Mathis, pas vieux. Mais c'est le fun d'avoir des jeunes de même qui viennent écouter ça, qui viennent à plus parler, qui sont connaissants. Fait que, comme on avait parlé l'autre semaine avec le baseball, avec les deux Eric, tout ça. C'est ça qui est le fun. Puis, bien content. On ne chante pas. On va croire en nos Bruins, puis on va continuer à prier que. Qu'on aille de l'aide bientôt, que M. Souinet, un matin, il dise bon, ben, OK, je fais le ménage, puis ouais, go. Avant de terminer, vous savez qu'on m'appelle des fois Nostradapierre parce que j'avais prédit j'étais le seul sur la planète qui avait prédit le congédiement de Claude Julien avant la fin du mois de février. Alors, je vais faire un deal avec vous autres. Si tout Carrasque se fait échanger d'ici la fin de l'année, vous me devez tous une pizza. Puis si il ne se fait pas échanger, là, ben là, ça va me coûter cher de la pizza en lundi. On m'a trouvé une autre solution. Là, mais... Trouver un commanditaire. On va voir que je me fasse commanditer par la pizza du coin ici. Écoutez, les gars, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver des prochaines semaines, des prochains jours. On ne va pas revenir sur le cas de Tuukka Rask, mais moi, dans mon livre à moi, c'est le seul steak qui peut être échangé. Là-dessus, les gars, souhaitons bonne chance quand même aux Canadiens ce soir. Ils ont besoin de tous leurs points pour faire les séries. Je ne suis pas un anti-Canadien. Le Canadien des séries, c'est le fun pour le peuple de Montréal. Ça, on ne peut pas le dire autrement. Donc, souhaitons une victoire du Canadien avec 4 buts contre Carey Price pour que la tornade revienne à Montréal. Hey, là-dessus, tout le monde à la maison, merci d'être présent. Oui. Si vous avez la chance d'écouter l'émission d'hier, ça a fini avec des feuilles dans les airs, puis c'était vraiment, vraiment bon. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.